Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. On se retrouve pour l'épisode. Ça doit être l'épisode 7, je crois. Donc, nous avons galéré sur une mission secondaire juste à l'épisode avant. C'était vraiment pas facile. Là, on retourne sur quelque chose d'un peu plus abordable, en tout cas pour mon niveau actuel. Et eh bien, on doit tuer trois commandants. Donc vous avez eu le pitch à la fin de l'épisode d'avant. Et là, on est directement dans la mission. Nous sommes partis. Let's go. On va aller les fumer. Je ne sais absolument pas pourquoi je dois me les faire. Mais à mon avis, ce sont des méchants, tout simplement. Alors, la quête, elle est là-bas. Donc c'est parti. Alors j'ai choisi un endroit où justement je me suis dit que on allait pouvoir tracer directement jusqu'à la quête. Normalement on devrait croiser personne. Oula. À moins qu'il y ait des gars dans les plaines comme ça, mais sinon. Ça devrait être une ligne droite. Ce qui n'est pas le cas de toutes les missions. Ok. Alors là on descend. Le but c'est de. Essayer de choper le plus d'infos possible. Où sont les ennemis? Là, il y en a un. Analysis complete. Et. Oh, il est pas mal, hein. DDDDC. Waouh. Ah ouais. Là, il y a trop d'arbres, en fait. Je vois que dalle. Ça serait un peu mieux ici. Alors là, il y a forcément quelqu'un par là, hein. Non? Même pas. Ah, c'est pas une bonne nouvelle que je les vois pas. Parce que du coup, je risque de tomber sur eux sans faire exprès. Et du coup, ça va faire la guerre, une guerre totale, comme d'hab. Bon. On va y aller, hein. De toute façon, on n'a pas trop de choix vu qu'on voit personne. Updated de quoi? Ah d'accord, ah oui, il y a pas mal d'ennemis au final quand même. Alors, il y a quelqu'un qui va arriver. Non. On voit que. Désolé, hein, même moi, je vois rien hein, à cause de la luminosité. C'est peut-être pas le bon plan de passer par là. Analysis complete. Waouh. Lui, il a une compétence S en mécanisme. Faudrait que je le chope, hein. Par contre, la voiture qui s'arrête juste à côté, c'est pas une bonne nouvelle. Analysis complete. Is that him? Analysis. Take a good look at their faces so we can ID the targets. Ok. J'espère que je vais pas me faire voir. Je voudrais le choper, lui. Là, on est bien. He's coming too. Roger that. Alors, je ne sais absolument pas où je vais, les gars.
extract him. Faut que j'aille où là? Au secours! La fuite vers l'avant, les gars. Ok. Ma quête, elle est où? Elle est là, hein. There's the target. The Waxin barracks platoon commander. Ok. Donc ils sont là-bas. C'est pas une bonne nouvelle, il y en a un là qui pourrait me choper, qui pourrait me voir instantanément. S'il tourne la tête, je saute. Allez. Je cherche. Il y en a un que j'ai pas, mince. Comment je vais faire? Je vais pas rester planté là tout le temps. Va falloir que je les confronte, hein. Est-ce qu'il va venir? Allez, viens. C'est pas possible, il s'est barré. Ah, s'il savait. Je vais aller le choper, hein. Je vous le dis, je vais le choper. Target confirmed dead. Now move on to the other two. Pourquoi un marqueur est passé? Pourquoi un marqueur est passé? Bye-bye.
Ok. Bon, c'est pas une bonne idée de passer par là. Je vais finir par crever. La cible est là-bas. Comment je fais pour l'atteindre? Faut que je fasse plus le tour encore. Cours, 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 cours. Faut que je trouve la troisième cible maintenant. C'est quoi ça? Ah, c'est une petite bestiole. Elle est dure cette mission, hein. De toute façon, je vous avais prévenu, hein. Le problème de pas savoir où sont les ennemis, c'est qu'on tombe nez à nez avec eux et après c'est fini, quoi. C'est le feu, c'était le feu. Attendez, on fait une petite pause. De toute façon, ils vont pas me trouver là où je suis, hein. Comment est-ce que je vais faire? Terminé. Target confirmed dead. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Ouf. Alors attendez que je regarde. Je vois que dalle là. Pourquoi je vois que dalle sur la map? Là, il n'y a plus qu'à se casser. Finir la mission. Et on recommence une autre. Alors la carte. Ok. Donc là j'y suis presque. Extraction arrived at Mother Base.
Mission complete. Great work. Nom de code Doberman. Let's go. En fait, dès qu'il y a une zone de chargement, les gars, il y a Kojima, il s'est dit c'est le moment de mettre le logo, c'est le moment de mettre les crédits. Mission complete, boss. That was impressive. But what do you suppose they were going to discuss at such a rare meeting? Guess we'll never know. More staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick, or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new... Ah bah merci, ça m'évitera d'utiliser des ressources. ...facilities for the men is a matter of life or death. So I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's mother base menu. Ça marche. On est toujours dans le tuto en vrai. Et j'ai eu un A+, les gars. Le mec que j'ai chopé au début de la quête. Langue russe, spécialiste radar. Let's go. Du C. Oh, c'est pas mal, en vrai. Jusque-là, on n'avait que du E ou du D, donc ça va. Ça augmente. Side ops list update. Use that free time wisely. Surveying enemy outposts, for example. Or gathering manpower and resources. Of course, you need some downtime every now and then. Whatever you do, it's all step on the road to our goal. Je voudrais l'hélico. Please select a landing support helicopter requested. C'est parti. Le sniper, c'est quand même une valeur sûre. Hein. Ok. Allez, let's go. On va à l'hélico, on prend une nouvelle quête. Le jeu est magnifique. Hein. Je le dirai jamais assez, mais franchement, j'ai joué à des jeux, mais il y a des fois où genre j'ai vraiment l'impression que c'est d'être dans la réalité, quoi. Enfin, presque. Hein. Quand on regarde là, ça, c'est presque photoréaliste. Hein. Les rochers, là. Il va être là. Le temps qu'il arrive, on va fouiller un peu. Il y a peut-être des plantes à droite, à gauche. Non. Si. Les plantes, c'est assez important, les gars. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais que c'est important. Bon. Notre hélico arrive. Et c'est parti! En fait, prendre l'hélico, on n'est pas obligé pour aller à d'autres quêtes, mais si tu veux gagner du temps, parce que si tu te retrouves à 3 km de ta quête que tu choisis, bonne chance pour aller jusque là-bas à pied, quoi. Même à cheval, ça prend facile 20 minutes. Parce qu'à chaque fois, tu vas devoir passer des contrôles, des zones de contrôle et tout, et... Du coup, ok, ça va augmenter le nombre de personnes qu'on a, augmenter les ressources et tout, mais 20 minutes de marche à pied, les gars, même moi, je supporterais pas. Hein. Pourtant dire que c'est pas trop un souci, normalement, dans les jeux, pour moi. Alors, prochaine... Attendez, on va aller voir la Mother Base, déjà. Gestion de la base, on en est à quoi? Il reste 32 minutes, et on a la plateforme médicale, maintenant. Donc la plateforme médicale, il va falloir recruter d'autres gens. Ok, ça me va. Liste des missions, liste des tâches de défi. Il y en a 6 que j'ai fait. On va les récupérer. Unit function added. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais.
Alors faut vraiment aller partout. Véhicule plus 2, ok, je sais pas ça signifie quoi, hein. J'en sais strictement rien. Unit function added. Development project has been added. Ok. Please select a mission. Alors, force d'occupation, éliminer le colonel qui a été réassigné au village de Chakra et au fort de Smaes. Et au fort, ah oui, et empêcher le redéploiement des chars aux forts de Smaes. Ok. C'est quoi ça? La guérilla rebelle lance une offensive, éliminer autant de véhicules de combat que possible pour affaiblir les renforts soviétiques. Donc là, à mon avis, ça va être. Il vaut mieux prendre le bazooka, je pense. Hein. Un ange aux ailes brisées. Extrayer Malaka, le prisonnier Mujahideen, détenu au palais de Lamarka. Donc ça va être sûrement. Il faut les faire dans l'ordre, en fait. Hein. C'est des chapitres, les gars. Donc faut faire quête 1, quête 2, quête 3, quête 4. Faut... Même si on peut sauter des étapes, le mieux c'est de les faire une par une. Ouais, là, il recommande des missiles. Recommande des missiles aussi. Ok. Ça va être sportif. Mission accepted. Donc c'est au fort. Le fort, il est où? Attendez, Mission attendez. not accepted. Au village de Sakrae. Sakrae, d'accord, c'est juste à côté en fait. Mission accepted. Je me vois plus là. Sélectionner équipement. Arme de soutien. Secondaire, on va peut-être. Ah non, c'est le pistolet. Arme principale. Le sniper. Est-ce que. Ah non, j'ai pas le bazooka. J'ai toujours pas le bazooka. Ah si. J'ai. On va prendre le bazooka avec nous. On va voir ce que ça donne. C'est parti. À 6h. Force d'occupation. This mission has two objectives. Eliminate the colonel scheduled to take up a post at Smassi Fort and stop the deployment of his tank unit. Your first move should be to head to Sakrae Village and search for the colonel and his deployment plans. Que j'ai en bazooka sur l'épaule, ça me fume. Allez. On est à 50 mètres. Est-ce qu'on peut passer par en haut? Non. De toute façon, j'ai pas de sniper, mais c'est toujours mieux quand pour prendre les infos. Quoi? 1900? 2000? Ah ouais. Mais en fait, t'as pas besoin, tu peux avancer comme tu veux en fait, je pense. Mais je pensais. Attendez les gars, rendez-vous compte de ce qui vient d'arriver là. Au niveau des ressources, je viens de gagner plus 2000, plus 3000 dans les ressources. Ah non. Mais quand. Pourquoi. C'était quoi alors qui vient de s'afficher à l'écran? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui vient de s'afficher à l'écran alors. Ah si, bah voilà, matériaux bruts. Matériaux raffinés, d'accord, les caisses c'est des matériaux raffinés. Et là on a des matériaux bruts. Et là j'en ai 3500, 3600, etc. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'on fait de ce matériau brut du coup? Wow. Ah ouais, wow, c'est trop stylé. Comment c'est trop stylé.
Analysis complete. Analysis complete. Ça va être vraiment dur. Analysis complete. Okay. Alors moi je vais même pas essayer de passer par en bas, hein. Pas grimper, on voit qu'il y a une petite montée là. On va faire ça tranquillement. Les vautours et les aigles, on peut aussi les avoir hein, dans notre base. Analysis complete. Attends, ils sont en train de me voir là? C'est chaud. Pas faire le fou, hein. Bah grimpe. Grimpe. Mais non, tu peux pas t'arrêter en si bon chemin. Pourquoi avoir mis un chemin comme ça? Tout foutu ou... Pourquoi il y a un dessin d'armes et de grenades là sur le mur? C'est quoi ça? Ok, c'est lui qui m'a vu. Attendez, mais je suis bien hein, à l'endroit de la quête là? Ah ouais, mais je suis super loin en plus. La quête, elle se trouve ici. C'est quoi ça? Poubelle. Ok. Ça va être un carnage encore, je le sens. Parce que lui, il va pas lâcher sa vue là. Est-ce que je peux? Non. C'est pas ça. Ah oui, d'accord, on peut... Oh, trop bien, je viens de découvrir un truc sympa. On peut changer d'arme rapidement. Il a bougé. Il est où? Comment ça, il me voit, lui? Il pourra pas me trouver normalement ici. Hein. Dites-vous que le principal, c'est même si je loupe la mission, le principal, c'est de focus et d'avoir tous les ennemis récupérés. Parce qu'en fait, entre deux essais de mission, tous les ennemis sont marqués. Ceux que tu as déjà marqués sont déjà marqués. Du coup, en fait, à chaque fois, tu gagnes en connaissance de jeu, en connaissance de zone. Et donc, tu peux te permettre d'aller plus loin et de faire une meilleure strat. Je pense que je passe par le meilleur endroit possible, mais il faut que je fasse hyper attention, quoi. Ok. Ça, si. Le problème, c'est que si je le fais, je me fais cramer direct.
Il est B en... Ah ouais, il est B en... Enfin, j'ai envie, hein. Mais il y en a un juste à côté, là, il va l'entendre. Tant pis. Analysis complete. Et jusqu'où je dois aller là? Enfin, c'est loin. Hein. Complete. Okay. Je suis foutu. S'il y a quelqu'un qui vient là, là, je suis foutu. Genre comme lui là. Complete. Clouds approaching. Il y a le nuage. Super. Lui, faut il faut qu'il bouge, sinon je pourrais pas avancer. Ouais, ciel nuageux, mais on voit encore mieux. Ok. Lui, ça marche. Let's go. Faut avoir le temps quand même, hein. Là, la musique. Non, non, s'il te plaît. C'est quoi ce truc qui est posé là? La musique, la musique. On va descendre, allez. Donc là, je suis où là? Oh là, il y a eu un bug. La map, elle bug des fois. Ah mais attends, il y avait un... C'est un peu bizarre, non? Vous pouvez collecter alors que... S'il te plaît, arrête la musique. Merci. Je vois que dalle. Quoi? Mais je vois que dalle aussi. Super. Ah, j'étais allé si loin. Il lance une grenade, je suis foutu, hein. Je vous le dis.
Boum. Trace, 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 trace. Mais où est-ce que je... Y a rien ici. Où est-ce que je peux trouver... Elle est super dure cette map. Je sais pas où ils se disent où je suis mais... Si j'arrive pas à les choper, ça va être compliqué pour la suite. Le truc, c'est qu'on les voit tous bouger vers moi. Attends, là, il y a un drapeau. Ça va être là qu'il faut que j'aille, non? Mince. C'est là, en fait, qu'il faut que j'aille. Oh là. Oh. Comment ça, je peux pas le prendre? Ok, bon, j'ai trouvé, j'étais allé beaucoup trop loin en fait. Par contre, je sais pas du tout pourquoi. Je peux pas prendre le document. Pourquoi je peux pas le prendre? Là, lui, il est vraiment pas très loin. Ça s'est pas joué à grand chose. Il y en a un qui passe par la fenêtre, je suis foutu. Mais pourquoi le document, je peux pas le prendre? Et ça s'arrête à un moment ou pas? J'ai les documents, c'est bon. Fallait que j'arrête, que j'attende un peu.
Ok. Nickel. Intel file extraction arrived at mother base. Mission info has been updated. The map has been updated. Development. Boss, that document you just got is the deployment plans for the Smassi Fort reinforcements. According to the plans, the colonel is supposed to join up with the tank unit of Wuxin Barracks and then proceed to Smassi Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. I've sent the tank unit's route to your iDroid. Marker placed. Marker removed. Ah ouais. Tant pis. Faut que je me casse de toute façon. C'est foutu. Non, je tombais et j'étais vivant. Reprendre notre checkpoint. Mais ah ouais, mais c'est trop chaud pour s'en sortir. Le temps que les chars arrivent et tout, c'est trop chaud. Ah, ils ont sauvegardé la position des soldats, mais ils sont plus en alerte. Mince, du coup je suis bloqué. Ou alors faut que j'aille de l'autre côté. On va faire ça, je vais aller de l'autre côté. Vu que tous les soldats ils se sont barrés en fait, je vais pouvoir les attendre par là. C'est nickel en fait. C'est pas que j'aurais dû faire. Donc là, ils sont à 900 mètres et ils arrivent. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le plan? Là, il y a des ennemis. Non. On a 7 balles? Ah ouais. Bah écoutez... Je vais le tenter comme ça. Je vais aller à leur rencontre. Ça marche pas. Ah. Il me reste qu'une munition, hein. Supply complete. Il est où? Ah, il est là. Allez, arrive. 10 secondes, 5, 4, 3.
Quoi? Ok. Bon, le poulet, il m'a bien aidé quand même. Hein. Ok. Ce que je veux, c'est... T'es où? T'es là. Et on va où maintenant? Faut que j'aille où? Faut que je sorte de la zone en fait. Donc bah je continue par là. Hein. Ça ira plus vite. On suit la route. Enfin, les paysages sont vraiment incroyables. C'est encore loin. Je suis très très loin, frère. Je suis très très loin. Tempête de sable en approche. Enfin, comment je passe? Bon, je passe dans la tempête. Allez. On s'en bat les steaks. On en profite. On voit que dalle, mais eux aussi, donc. Ça devrait être bon d'ici quelques secondes. Ouf. Mission complete. Great work. Bon, on fait qu'en gagner en réalité. Super. Les missions de terrain sont maintenant disponibles. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. Merc deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, okay. There are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Un super live, Colart. Bah, merci beaucoup, merci. We've established a sick bay on the new medical platform. Staff who come back with wounds, diseases, or PTSD can be treated there. If we need any other platforms, feel free to issue the construction order from your iDroid. Vous pouvez maintenant personnaliser les véhicules. D'accord, donc on peut avoir des chars en plus. Volontaires spéciaux. A+.
A plus 100. Ah oui, d'accord. A plus encore. En communication. B, ok. Boss, this is important. We've reports of a crack sniper at large in the Afghan wilderness. The Soviets call this sniper Tihi. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. The Ok. Soviets have already lost a number of officers. Alors on va faire un... On va retourner à la Mother Base pour voir un petit peu le toutou, voir ce qu'il est devenu. T'en fous. Y a l'air d'avoir pas mal de monde. Ça va, je fais que passer. Bon. Est-ce que le petit toutou, il y aura une petite animation ou quoi? Parce que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il évolue. Ça marche. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Donc on débloque encore pas mal de choses. Faudrait que je fasse un tour dans les menus à un moment donné pour voir un petit peu tout ce qu'on a débloqué. Parce que c'est vrai que j'enchaîne les missions, mais au final, ça c'est tout ce que j'ai eu, ok. C'est vrai que je les écoute, mais non, on va pas les écouter maintenant. Ce que je veux, c'est... Ah, c'est le déploiement de mercenaires ajouté. Mettez en place l'unité de combat ajoutée à la fonction de déploiement de mercenaires. Cela vous permet d'envoyer des mercenaires sur une zone de conflit et de recevoir de l'argent. Par exemple, ici. Voir les fonctions des unités. Les fonctions des unités sont ajoutées quand vous créez une nouvelle unité ou que l'une d'elles atteint un certain niveau. Le niveau des fonctions d'unité augmente en même temps que celui de l'unité. Allez sur le menu Mother Base pour voir les fonctions de vos unités et leur niveau. Sélectionnez une unité et appuyez sur pour voir les détails. Et j'ai... Non. Mother Base. Je sais pas. J'ai pas tout compris. Gestion de la base, c'est ça? Non, c'est pas ça. Gestion du personnel. On n'a aucune unité de combat. Donc de toute façon, je peux rien faire. Attendez, il y avait deux unités en attente, non? Ah non. Ah attends, il y a assignation auto. Non, bah on verra ça une autre fois.
Moi, je voudrais retour à Mother Base. Ah, on peut aller à la plateforme R&D et plateforme médicale. Bon, on va aller aux plateformes de commandement. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We diamond dogs. Now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings. Give you no tactical advantage whatsoever. There was some fancy shooting. Pretty good. Elle lui rend même pas son arme là.